Merci d'avoir le journaliste. Je l'ai demandé ici. Vous allez être partenaire, grande puissance. Vous allez pour aider
alingi jamais ba moka la bisou dans la tourmente omoni le baba auto dala nenge ba salir bisou dala nenge ba imposer bisou dala le support de roso ya moto lobby ko ta ba ela bisou ça la peine la bisou aya ko ta ba ko la li sécurité la est ya mo bisou ba la bisou ya yo ça sur question ici à côté ma kamuna bisou wa ndé to di solution pour wé wé ça problème pour les ba congolais on va te conscient. Mais oui, la Russie a été conseillée sur le sol congolais. Mais Russie, c'est un grand partenaire. Bichot, tu as dit la 4 ambassade à Russie, mais il y a une question là qui est. Et puis Russie a été prêt à collaborer avec Bichot. Quand le gouvernement de Bichot, nous avons lancé appel à collaborer avec Russie parce que trop c'est trop. Dans les mi-Marocains, dans l'Union sous États-Unité, dans l'Union sous France, c'était la multinationaliste, dans l'Union Baroté. Dans la prochaine Russie, aucune maison dans la boulangère, mais pour nous, il y a un moment donné que ça l'appel à Russie. Notre pays, ce pays nous appartient tous. Voilà.
Nous dénonçons le complot. Complot, bah, il va te kabunagana, bah, il va te traiter bunagana. Dans mon bon support, kabomami, on a Le chaîne panafricaniste congolais du mouvement citoyen sans Lumumba. C'est avec amertume de constater que notre pays n'arrive toujours pas à décoller depuis son accession à l'indépendance. D'où le problème de l'insécurité persistant qui nous pousse à se demander sur le pourquoi et le comment. En effet, au village des sages, les coqs chantent de ce qu'ils sont, le chien aboie de ce qu'il voit et les hommes parlent de ce qu'ils ont vu et vécu. Le Congo, pays en dimension continentale riche, fait l'objet d'envie de prédateurs impérialistes occidentaux qui, d'un côté, joue le pyromane et de l'autre facette, le sapeur-pompier. Donc, ils allument le feu et puis ils viennent jouer aux pompiers. L'hypocrisie de l'Occident qui cause l'insécurité non seulement au Congo, mais en Afrique entière. Le système néocolonialiste consistant de nous dresser les uns contre les autres, de se servir de l'un pour anéantir l'autre, le même système qui nous oppose aujourd'hui au Rwanda, avec comme marionnette M. Kagame et ses frères. De qui vient la force au Rwanda de faire face à un grand Congo, à un grand pays comme le Congo, et d'occuper un territoire qui est la nôtre, la Bunagana, si il n'est pas soutenu par une force obscure? Si la guerre en Ukraine, l'Occident, par les canaux de l'OTAN, fournit ses armes à l'Ukraine pour lui permettre de se défendre face à l'armée russe, cependant au Congo, il multiplie les embargos d'achat d'armes techniques pour ne pas permettre au Congo de se défendre contre le milice rwandais M23 opéré à leurs avantages impérialistes. Aujourd'hui, il est à soustraire de notre superficie de 2 345 000 km², la superficie de Bunagana. N'est-il pas ce qu'avait annoncé à son temps le grand Lumumba, que le plan est déjà établi, il s'agit de balkaniser notre pays? Et de notre temps, nous dénonçons également la balkanisation de notre pays qui s'annonce déjà avec la prise de Bunagana. L'histoire nous enseigne que notre pays a connu plusieurs interventions des armées étrangères sur le sol congolais depuis son accession à l'indépendance. Nous avons eu à faire face à l'armée belge, nous avons eu à faire face à l'armée française, l'armée marocaine, l'armée angolaise, l'armée tchadienne, l'armée namibienne, l'armée tanzanienne dans notre pays. Et nous disons non à l'arrivée des forces sous-régionales sur le sol congolais, l'EAC. Non et non à l'arrivée des forces EAC, car il est composé de pays dont le passé était des agresseurs de notre pays. Nous décourageons le schéma
impérialiste favorisa aux agresseurs, à nos agresseurs d'hier, d'opérer aujourd'hui dans notre pays. Nous considérons que la formule EAC constitue le socle de la balkanisation de notre pays. On ne peut pas résoudre la paix en... On ne peut pas résoudre la paix avec ceux qui nous créent des isaniers. Nous appelons la paix à nos frères des Yaka et les Teke dans les Kwamutu, car l'ennemi est un prédateur qui nous attend à toute divergence. Quant à la MONUSCO, nous exigeons le départ sans condition de la MONUSCO, car elle s'est déclarée elle-même incapable de faire régner la paix en vantant l'armée M23 des très sophistiqués. Avec tout ça, la MONUSCO, les Congolais continuent à mourir. Et c'est encore plus grave si les casques bleus eux-mêmes tirent sur les Congolais qui manifestent. Nous, le mouvement citoyen Salumumba, la fondation Océan du Congo, la fondation des Amis de Bruno Mbenga, se référant au dernier discours du président Vladimir Poutine, devant les ambassadeurs de pays africains, la Russie affirme son soutien qu'il serait prêt de soutenir le pays des Grands Lacs également. La RDC pourrait résoudre le problème de l'insécurité dans notre pays. Nous appelons M. Félix Tshisekedi, chef de l'État, à rompre avec les capitalistes occidentaux pour tourner les regards vers la Russie afin de prendre la main tendue de la Russie pour une coopération bilatérale avec la Fédération de la Russie pour amener une paix durable sur le sol congolais. Je vous remercie, le mouvement citoyen Salumumba, coordonné par moi-même, Josué Lumumba, les amis de Bruno Mbenga, coordonné par Bruno Mbenga, et la Fondation Océan du Congo, coordonnée par Mama Océan qui est là. Nous vous remercions. Merci. Objet à marche Nabissi à Mokolo Alelo. Et à la qui d'abord pour la Kosenga libération y a Bunagana, parce que biso toali ko constater que Bunagana va céder à Ngonde la Kosede. Il y a un plan qui consiste à balkaniser notre pays. De bon moniété, de rien kokota na force sous-régionale EAC. Et ça lui plan et exécution y a balkanisation en Bokana biso. Pambate, ce qui botali composition. Il y a ma force sous-régionale, et ça lui obéit à pays, et ça lui lobby par agresseur en abysso. On a beaucoup de Rwanda, Burundi, Uganda. Mais Awa Bomona qui, secrétaire d'État américain, a été en bon cannabis à l'obéo, qui a soutenu la résolution sous-régionale. Donc, comme pour dire que tout ce qui est en bon cannabis, malgré que si vous êtes de Rwanda, vous allez être Rwanda, vous allez être parce que rien ne prouve jusqu'à présent. Le numéro 1, il y a EAC à le vérifier, ça lui obéit, monsieur Kagame. Tout ce qui est armée burundaise, ougandaise, rwandaise, dans le cas de la cannabis, Pambate, ça lui plan au Yobabengi à balkanisation en bon cannabis. On a établi MONUSCO. MONUSCO Yemoko, secrétaire d'État, n'est-ce pas, secrétaire général des Nations Unies, a déclaré l'objet de M23 Bali n'a pas armes sophistiquées, Bango Bayko Bundana ba armes maintenant ba M23 T. Ils allient déjà au Babengi en une capacité, montrer Bango Moresi déjà, Balobi na monopona Bango avec Bayko Bundisa T. Mais mon calabiso toile pour déverser chaque fois 1,5 milliard la budget du son Boko Logali, pauvre le rôle RDC. Bon à MONUSCO, mais Bango Balobiete, Bazali est capable, il y a comme ma Kimia Michel Zahi principal pour la Bango. Donc, Awa, Bissot, le peuple congolais, Balobiete, MONUSCO, Zali, la place, n'a été en Akati, à Bokana Bissot. Et surtout, tant que vous voyez, MONUSCO, Ali, pour se permettre que le Baete, voilà, tant que va manifester, Bali, qu'on manifeste, mais MONUSCO, Ali, qu'on tire sur va manifester. D'être bien, non à la MONUSCO, Nakati, à Bokana Bissot, il a failli à sa mission. Il y a mis ça dans le biais de la Nagi Bissot-Basso. Discours, il y a des Poutine, président Russie. Quoi, le bas qui est la Russie est prête, n'est-ce pas, à aider la RDC. Bissot-Togaï Namato, il y a Bissot-Tango, Motorola, la Poutine. Mais tu es bien logique, le bas qui est dans mon kit, il faut que ma grand, il faut que ma talent, ma péka, mon toi, Zali grand. De toi, il y a un Senga, Nandeko, Félix, tu sais que toi, Zali, chef de l'État, était. La main est tendue, c'est là ma lame. Bamba tête, ça lui confiance à l'Occidental. Bango Bali pour multiplier les sanctions. Le autre, il consomme à Mindou qui est
Tchad, Bali pour faire sa Ukraine, ma coquille, Mindou qui pourra se défendre, mais la Tino, les alliés RDC, Balobiette, Bissot, Bambago, la vie s'est continuée. Des Bissot, Balobiette, solution à Malam, les alliés de se servir de l'un pour vaincre l'autre. Donc la formule de se servir de la Russie pour vaincre l'Occident. Pas ma tenue, c'est toi qui m'a dit que Moto Azali, Bato Bazali, Baoter Nango, ce sont les impérialistes, les Occidentaux. Donc il est le long temps d'Ali Kobenga, Nandeko Félix et Tshisekedi du chef de l'État, à embrasser pour la Russie, pour une coopération militaire avec la Fédération de la Russie. Pamba Tende, tout le monde, il est l'autre, on constate qu'il y a dans Mali, qu'il y a dans le pays, et bien ça, Afrique. Une coopération bilatérale entre la RDC et la Russie, une coopération russo-congolaise. La Congolais ma yele loko la moto. Potika Congolais bolema. Congolais ko sala ko sami solote. Congolais ko liate. Congolais ko sanga lotiliki. Bande ko langai, bato boyema ki Zaïre ya lobby. Na Congo ya lelo ya libino komi bale bikeseni. Na Zaïre mbule betaka kasi bato bazindaka lolengo. Kasi Congo soki botamo ina mbule lelo bie bombi bato. Ba balabala bizindi. Lelo mi lelo na mi lelo bato ba kopepa. Moye bato ba bima e ya lite kufa ba Congolais ya ngoyo. Katastrofe naturelle dele bolo bakala lokota ili fanase. Eko boma ba Congo mani lobi bo benga ba fami na bino. Bato bazindi. Lemba ezindi. Nga ba kukwe telemi. Me lemba lobi ezalaki katastrofe kongo muna bilini. Bande ko ba Congo mai to bunde tumba ya ba valeur to longwa sima ya ba politiciens to déstabiliser ba parti politique ba mate tout politicien azali ko lia na ba dresseur na biso politicien moko moko soki bote na ndako na photo ya Rubeo ali na photo ya Kagame ali na photo ya Museveni ali na photo ba to ba ike ba ali ko senga bobele maboko na sima na bango nde ta la Rwanda to pesi ya maboko na zali ko la ba bwana mama bo bila dawa to ko boya boyo kande bilo ba tote. Fouette à ton copé qui s'attend à l'école à yon moisi, ex-moisi à président de la République, pour moutou à Koufa, ok de koyokana, n'a pas tué vieille pour être au tigali moisi pamba, kasi pour na combo ya Mobutu. N'a lobby le cola maman, mais le cola mona ya Mobutu, mais le cola une fille équatorienne. N'a lobby pour yon maman Bobila Dawa. Soko meki, nzoto ya nkondo Mobutu, Kagame a saboté en haut, a dévoré en haut, fouette Kagame a kana Mobutu la libembe à Biarimana. Le cola Mobutu a kota kwa fie bemba Biarimana keina en haut. Yon négocié. Oya ne bemba Mobutu na Congo. Kagame zo yango ke na na Rwanda. Mama Bobila Dawa. Natali sio mosapi. Okofuta linga pwete Mobutu ali ayote. Mobiso bana mama sese to telemi. Soki yo kondi bana bana na yo kasi bana ya liboso biso to telemi. Bana ya mama sese to telemi to lobinzo pia papa e kozonga te soki na lokimi e kotite. Yali boyete. Na bongo. Soki ya papa e kozonga te soki na lokimi e koti. Soki ya papa e kozonga te soki na lokimi e koti. Matondo. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Dans son édition spéciale IGF, Eshima Magazine évoque les 35 ans d'existence de l'inspection générale des finances IGF en sigle. Dans ses colonnes, le magazine revient sur le travail abattu par ce service d'audit supérieur ainsi que les innovations apportées, des performances reconnues au niveau international. À la une, l'interview exclusive de Jules Alinghetti. Face aux prouesses réalisées par son service, l'inspecteur général chef de service martèle sur la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est dit pour redynamiser l'IGF afin d'assainir les finances publiques. Le doublement des structures opérationnelles, le recrutement de nouveaux inspecteurs, l'amélioration des conditions de travail du personnel, plusieurs innovations qui rendent à ce jour l'IGF plus performante. Le travail de l'IGF salué à l'international. Après un travail apprécié au niveau local, la lutte que mène le président de la République à travers l'inspection générale des finances IGF est aussi saluée par des partenaires internationaux. Au FMI, à la Banque mondiale, aux États-Unis et au Parlement européen, l'IGF vend positivement les résultats de la lutte contre la prédation des finances publiques. Le chef de service de l'IGF a été primé par Forbest Africa pour sa lutte contre le détournement des deniers publics. Autre titre à découvrir, la DGI rappelle l'échéance du 30 septembre 2022 concernant l'IBP, exercice fiscal 2023, revenu 2022. Sonas,
Lucien Bonniemé Ecofo fait bénéficier à ses cadres et agents une formation sur la passation des marchés publics. Ticia Mukuna, DG de la société La Quinoise, lance son usine de café 100% congolais à Kinshasa. Découvrez également des entretiens exclusifs des acteurs de la société civile sur la lutte contre la corruption. Le professeur Florimonde Mouteba de l'ODEP, à Kitenge analyste économique, ainsi que maître Georges Kapiamba de la CAGE. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.